Bonjour chers visiteurs, c'est ça les directs aussi. Hein. Alors on est très heureux de vous d'être chez vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on commence, c'est pas l'heure habituelle à laquelle on commence notre émission. Tobani est légèrement en retard. On a moi résumé nos techniques. Alors comme on les a résolus, il y a notre bonne émission on a heureux. Au bazar, musique, bobing, bango, pour bas retal. Émission Abino au moins le temps ou l'occasion. Il y a pour participer na la discussion tout ça là hein? Politiquement bien évidemment sur mon cannabis pour que but est là tout le mois parce que tout ça pour qu'il y ait qu'on est niveau. Alors comme toujours j'ai à mes côtés mon confrère hein? Mon complice de chaque dimanche Emet Chibango Emet Chibango après alors n'a surtout pas invité Nabiso c'est Yann de Nabiso Kouloutou Nabiso Norbert Yambayamba bonjour Ndeko Yambayamba. Ça fait vraiment longtemps. Bon, il a eu des petits soucis de santé. Nous sommes vraiment heureux de le retrouver aujourd'hui. Merci bien. En tout cas, il vient de traverser une période pas très intéressante. Tout le monde en passant ici. Et on témoigne le lobo. En tout cas, on est très content de vous revoir parce que tu as toujours besoin à expertise naïe. Et puis, expert en tout ce qui est développement rural. C'est un analyste politique, expert en développement rural et expert à Congo, à Makambouana. Surtout, il est aussi analyste politique et le retour au talent, nos points de vue naïfs par rapport à l'actualité politique, le système de la semaine, politique, oui. La semaine et surtout, ça fait longtemps que le bâtiment est. Oui, ils ont bon goût. De temps en temps, Nathan Oyo Tolobi Mink, ça fait pratiquement 20 ans que nous avons le cannabis. Je crois que c'était un temps d'enseignement, mais maintenant, et comme il y a qu'on tire les leçons, on peut proposer. Je crois que c'est le moment est venu pour que tu puisses moi peine de vie dans le Makamoué. Oui, avantage, non, parce que non, il y a un critique à regarder, mais on a piste de solution. C'est ça le plus important. C'est maintenant une découverte, ma actualité, c'est d'abord et surtout, comme ma célébration, il y a la journée internationale des femmes. Et c'est célébré dans le monde entier le 8 mars. Et thème, il y a thème international, l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Alors, pour un thème, il y a Awa, Izalaki, ou il y a Congo, Izalaki, investissement dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur. N'invitez un commentaire et marmonne, j'espère qu'en fait, on compte dans l'actualité pour mettre comment la chose a été vécue ici, à Kinshasa ou au Congo. Un petit commentaire par rapport à la thème que vous avez retenu par les Nations Unies d'abord et ensuite par la République démocratique du Congo par rapport à la journée. Ndeko José, Ndeko, mais d'abord merci Mingi Ndenge Boyambinga Lelo. Après moi, Mikolo et Bélé, Saint Isaac Nango Malamouté. Et donc, il fallait quand même vous envoyer un repos. Namotuna Obotuni, Itali, Makamba Journée de la Femme, il faut dire que Namouki Mobimba. Babongi Saka, au moins une fois, poti bakanisa effort ya basi, bakanisa rôle ya basi, bakanisa valeur ya basi. Basi wana o bato bazako sala ki lelo bazaba izine ya ko produire bat otoko makala na niveau to sala ngolo lelo, il fallait ko pesa bango limina, ok bango ba prendre conscience na bango. Mandat babi autonomisation de la femme rurale. C'est tout à fait normal. Lelo, tant que tu peux faire l'éducation là-bas, on a nina. Moi, comme autonome. Autonomie, ça veut dire quoi? Autonomie, ça veut dire que moko na moko, azala capable, que na bon moyen aye,
aiba koluka oya ya kolia yemoko aiba kofanda nisikana yemoko aiza la capable ya kuzwa transport sans que akende ko senga senga aiba ko kolamba na ba condition mwa malamu etc. Donc c'est ça véritablement l'autonomie. Alors maintenant il faut autonomiser. Effectivement, il y a beaucoup de pays où le salaire moyen est fort wana pour que basi baza la moins autonome. OK, na ba moki bilé ko mona ki basi ba kende pe ko nixa le sauteur ko nixa fufude possibilité ko nixa ngo ezali ba usine ezo fonctionner électricité ezali pona kende ya kende ya kende kata koni ya kolamba il faut azo réchaud naïe, il faut azo cuisinière naïe, etc. Mais alors maintenant, ce côté lui par exemple, Bassina Bisso, Bazaka Tamboka, etc., de Konangaï, et ça passe mingi. Une raison de plus pour le gouvernement, le Babi, nous devons investir. Dans la femme rurale. Mais alors l'investissement à l'État, zéro. Parce que situation où tout ça n'a pas le lot, la femme rurale, même de Gozomola, Bassiba, Obala, Tamaputa, Bani, tout ça, mais qu'elle est dans le monde rural. Et je ne vous demande même pas d'aller dans le monde rural, qu'elle est justement à la périphérie de Kinshasa. Je vois des femmes, des jeunes filles, parce qu'il y a des hommes, pour voir qu'il y a des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, oh ya mike mike wana ba kota zamba depuis tongo ba ko bima na ba 17h ba bongisa maboke ba nzito ya mike mike ba koma na marché ba luka mutateka ba ya koteka tant susu po bazonga ba ndako na bango na ba 22h akende ko lamba akozo lamba na combien liboke moko oya memi na mutu eza à quoi côté quand on a 1000 francs hier ça n'a pas na 5-6 bah colis en dengeni. Donc moi je considère que journée en femme est un malamoumin, mais je vous assure 99% d'efforts restent à faire parce que basi le lourdes difficulté pour ça quand même maintenant qu'est à qui ça ça il faut voir dans quelles conditions parce que basi lamba il faut qu'on somme makala je termine là Imi. Il faut qu'on somme makala makala on somme là combien courant de l'estage bas quartier belé bas en courant tout est bas quartier belé bas en maïté il faut battre bas kende bi paye musika qu'on a besoin maïa aya kolambe là amena maïa ya busoto etc. Donc il y a tellement de problèmes qui caractérise problème à moi si le lot est plus grand encore. Basio Bazako Fana Bamboka, etc. Et j'estime que, je voulais que ce soit une occasion de loisir, de divertissement. Complaisance, etc. Mais je crois que ce serait une occasion que ministre, par exemple, agent, famille, etc., que le gouvernement de la République a affirmé capacité naïe, il y a qu'à changer la situation, il y a pas si. Mais malheureusement, lorsque tu as le budget, je vous dis même, ce n'est même pas 0,00. Et là, ça devient un problème. Parce que la volonté gouvernementale se constate à travers les chiffres qu'elle en donne dans les différents secteurs dont on considère prioritaires. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Voilà. Mais M. Norbert Yambamba, lorsque vous avez observé la femme paysanne en Obolelo, tout à l'heure, par exemple, dans l'Est du pays, moi, sur Azaming, Mingoutou Violé, c'est cette femme paysanne. N'est-ce pas la Ming, n'a pas d'informations, tout ça, n'a côté la Ming, gouvernement, à quoi agir. Vous pensez que, est-ce que investir dans la femme paysanne en haut, c'est un discours, et sur un papier, ou sur le terrain, nous sommes les salaires. Investir dans la femme, c'est donc consacrer deux moyens humains, deux moyens intellectuels, des moyens matériels, des capitaux énormes, pour que moi-ci, à s'affirmer, n'a pas moto n'a pas n'a pas valeur n'a pas n'a dignité n'a pas. Mais il ne faudrait pas que ça reste un seul gars idéologique. J'ai comme l'impression que le lot, on fait des déclarations politiques, mais on ne croit pas fermement à ce qu'on voudrait faire. Parce que un gouvernement de la République, ce qui est aligné, il y a solo, Atia, ma boko poti, moi ça qui est liboso, mais il doit organiser son budget. Il faut aller à l'intérieur de ce ministère, vous allez voir dans quelles conditions on travaille, quels sont les moyens disponibles. Et puis, non seulement ça, il faut aller au niveau des territoires, il faut aller au niveau des secteurs, il faut aller au niveau des villes, pour que vous puissiez analyser budget à chaque entité décentralisée, oh yeah, bah, à combien on a fait et qui on responsabilise là-bas, le ministère. Là. Donc moi je vous assure sincèrement qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est pitoyable que la plupart là-bas, Sinabiso,
Bazo comprendre sens n'angote. J'ai vu des femmes dans les terrasses, dans les boîtes, etc. J'ai vu les femmes défiler, me défiler, etc. Ben ouais, mais parce que, la conscience, yakoye ba été aujourd'hui, c'est la femme née à zako porte poids dans des familles très vulnérables qui visiblement n'ont plus de moyens pour survivre à cause de la précarité, la précarité, etc. Donc ce sont ces femmes qui se battent à longueur de journée. Il me semble qu'aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Et vous n'avez même pas entendu aucune déclaration des femmes pour réclamer que l'on puisse augmenter les budgets de leur action. Et plus grave encore, ce sont les femmes intellectes qui réclament la parité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on ait des postes, autant de ministres hommes, autant de ministres femmes, autant, etc. Et des problèmes de fond liés à la vie des femmes. Et la vie des femmes a une implication essentielle sur les enfants, sur les jeunes filles, sur la population. Moi, je pense que c'est un grand défi. Il faut sortir, n'est-ce pas, de ces habitudes visiblement irresponsables et immorales qui consiste à considérer les affaires de l'État de manière hypocrite et irresponsable pour que, effectivement, on puisse poser des actions qui sont susceptibles de transformer la République au travers le changement fondamental de nos femmes qui ont besoin suffisamment de la responsabilité de l'État pour les changements de la situation. Écoute, tu vois, dans l'émission, il y a Lingala. Français, quand moi, Mingyuana. Tout ça, moi, fort. Tout ça, Lingala. Alors, Nicolas Bamba. Donc, à vous entendre parler, ça dépendait que de vous. Le 8 mars, il faisait la journée, il ne fallait même pas qu'il y ait tout ce que tout le monde a. C'est-à-dire que défilé, discours officiel, et tout ce qui tourne autour, tous les appareils qu'il y a autour. Parce que donc, c'est plus une journée. Quelle est notre capacité quel est notre effort pour que la situation puisse changer? La situation est changée, par exemple, dans le monde des régales. Ça veut dire qu'en fait, quand même, que pas en courant. Pour la Colombe, Et on a besoin qu'on discute et qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des colloques, qu'il y ait des conférences à différents niveaux d'atterrissage, de telle sorte que... Mais qui implique ces femmes-là, en fait. Qui implique ces femmes pour qu'on ait un paquet de solutions. Pour que demain, le ministre du genre, famille et femmes, soit amusé de dire, par rapport aux différentes problématiques, par rapport à la collecte voilà, il faut tel pourcentage dans le budget. Et voilà là où nous devons commencer. Voilà. Il me semble que ce n'est pas ça. Ici, essentiellement, défilé. Et comme tu connais, généralement chez nous, c'est le loisir, c'est le divertissement. Mais on n'est pas, très concentré, etc. Et donc, on embarque les femmes et on met en place des uniformes dont ils achètent chèrement. Et je ne sais pas qui a fait ces uniformes-là, voilà, parce que ça coûte. Moi, j'ai souffert avec mes filles, j'ai souffert avec mon épouse. Sombe la bisseau. Ma poutawana, obligation. Ngalabi, nani azali fabrika ya bilambawana. Bon, tout le monde est ministère agent, madame la ministre agent, elle est quand même non. Il y a un motif, mon corps, pirate. Ils ont reconnu officiellement la ministère agent, famille et famille. Ils ont ce qui est ministère agent, famille et enfant. Côté la madame, on dirait femme paysanne, on va investir 4 naïe. Apparemment, femme paysanne, on goûte mamba, il y a la journée de la femme en haut, elle est déphasée par rapport à ça. Mais et comme elle est une femme intellectuelle, moi, groupe Nabango, elle a capitalisé la journée, elle a souka tout revivre autre chose. Et comme karma, une journée fériée, quoi. Et comme voilà. Le jour mon férié, karma. Tout ça, c'est ça, en fait. Hein. Vous savez que l'impérialisme n'a pas de couleur. Donc, il y a des hommes, il y a des femmes qui pensent que Bango, il ne faut pas jouer un rôle. Et alors maintenant, il faut montrer que c'est une base. Et alors, basique,
comme pour la plupart, pas à la résignation, pas à la difficulté à comprendre ma mutation des réseaux salements, etc. Et il y a des femmes éveillées qui profitent naturellement. Il y a ma résignation, il y a ma incompréhension, il y a ma cambré pas bassi. Et bango pe bazako la qui sa yango bango se bazako se bat et pourtant bango mo bazako luka intérêt la bango petit bon la nomination moko na moko azuama etc. Et puis babo san, est-ce que on peut vous dire combien on a fait un déplacement et puis budget au travers un ministère où on a et ça les porte encore orienté que voilà nous avons 145 territoires en Burkina Faso, nous avons presque 20 villes, nous avons plus de 8000 plus de 8000 village. Basala est là qu'on est au travers du ministère Oana. Quel est le programme? Moi, j'aurais souhaité attendre le programme à ministère, etc. C'est ça. Et nous allons souffert pendant longtemps. Tant que nous allons continuer à comprendre le rôle de la Bango, le discours de la journée, la mobilité, mais un discours mobilisateur qui permet. Il y a qu'on passe à ma réponse, qu'on passe à ma solution, à problème où il y a population, moi qu'on a mon voisin à quatre ministères. Voilà. Mais tant que, et donc on est de ça. Mais si tu comprends bien, José Botoniré, la femme intellectuelle, à ça qu'on exploite, à ça qu'on profite. Il y a un peu de moi, impérialisme, mon pays de la part des femmes, à la droite des femmes. Voilà, différent de moi, ils ont dit, moi, je suis un peu que je vais jouer net le quoi, mi-bal, bazar au sale. Parce que souci suko yo ezate que souci pas bon on a pas si tikato bunda pour changer situation bango té ez souci on ezate souci ezali bon suko yo tobe na larde alors pour tobe na larde il faut na ke kimbanse ke na kende chela na kende ba voisine ba la changa la télévision etc et que voilà tande na ba yoso ya manga mais ndeko na ngai bato bazana posa bato balingio bayambio bakansi ka travers yo okosa makambo oke ba situation bango changer yo zo mona ki non bango ba bazoba tikana no ko bambinga tana de balinga ba pesanga bokonzi et kango ba fa no ba pesa bokonzi ofandeli yango olei omeli et lobi olbi ke bango ba kozala toujours na difficulté ozongi sou bango et comme bango télévision publique ba télévision yo se jana bah, les missions, elles ont permettre, même dans le mécanisme à travers les structures de l'État, elles ont permettre que Bato va changer vision la Bango, va renforcer conscience la Bango. Alors Bato Baza, suffisamment informé dans ma cambo en latin, il y a toujours dans mon tambo, parce que Pierre Bango, Bongo, Bako Pesa Bango, ma t-shirt, Bako Pesa Bango, ma puta, injouable. Parce que moi, je suis tout le temps, même dans le lingo, mon ingana, donc là, je suis malade, toujours la Bamboka, toujours Koyoka. Toujours content, et ça m'a trop. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens ont fêté le 8 mars, journée à ma femme. Mais je vis dans un territoire répété. T'as la base, on dirait après-guerre. Mais il n'y a pas eu guerre là-bas. Non, mon cher ami, vous savez, quand on regarde tout ça, on ne peut pas avoir un bambou, on va soutenir. Mais ça m'a fait. Dans quel pays on parle de choses? Et ce que le Bible dit, ah, Tibouana, est-ce que Azoluka pouvoir atteindre? Ah, Tibouana, est-ce que. Azoluka va aider? Est-ce que. Alors, les gens ne veulent pas écouter ce que les gens disent. Les gens ne veulent pas comprendre que Mokaoyo, les églises, les abysses, les plantations, les abysses, que Bisso passe tout ça à droit de citer pour Nayango et tout ça à la fierté, ce qui est le mot qu'ils ont fonctionné, les Longobani. Parce que ce qu'on entend, on a beaucoup à Mike, on a ce qu'on a dit, fort et ni dans les Salem, etc. Et ça, pas si mieux qu'ils sont allés au Abysso. Vous ne pouvez pas imaginer dans un territoire d'un million d'habitants, et puis, Kourézatin, Mayarizé de Zézatin, un million. Mais c'est un marché potentiel. Alors, Bassouana, Mayézatin, Kourézatin, pas que nous jouons à Mayouap, n'a pas puits. Mais le laboratoire est bel et bien pour que ça ne va plus ou pas. Ma boule ou pas, c'est 73% de maladie directe. Parce que aussi, là, c'est la planification de la mort. Et c'est ça justement les éléments de plaidoyer. Oh, le ministère, il n'y a pas ça. Toutes ces associations féminines, etc. Il n'y a pas ça. Alors maintenant, quand j'écoute les dames leaders, je ne sais pas s'ils comprennent ce que c'est un leader. C'est porter les aspirations. C'est savoir transformer ces aspirations pour qu'effectivement, elles deviennent une réalité qui permette d'apporter des réponses aux problèmes de la population. Non. Bah, on sent les déclarations, on va français, etc. Bah, quand tu fais le bas français, il faut qu'on fasse sa solution. Non, attention! Bah, là, tu m'as pouta. Ouais, bah, oui, mars, après, bah, qu'est-ce que fait? Bref, vous faites, tu peux après moi, hein. Moi, comme ça, moi, combine, ma bine. Et puis, il faut mon ébine, il est où?
Et puis les lits. Voilà, non, ça veut dire qu'en fait, la morale. La morale, les gens qui t'ont commis, papa. Tant que toujours Luca a responsabilité. La maman, comme si tu as commis, tu as monté. Mais morale, les gens, important. Vous savez, papa José, Natango, Nana, Otozali, Pengai, vous avez vu que papa est un homme respectable. Compte tenu et responsable, tu as un homme. Et puis, Ngai, Nazak, Okosa. Pénazo, Kasson, il dit, Pénazo, c'est que vraiment, mais il y a eu bien que Nazak, Okosa. Et puis ça ne te gêne pas. Et tu trouves ça normal, papa. Et c'est comme ça, la classe politique congolaise. Les femmes comme les hommes. Mais alors finalement, le kouta, mon corps. C'est comme normal. Seconde nature. Le kouta, mon ami. Quelque côté pas basi, côté pas mbali. Et donc, bah, yanki ou non? Non. Bah, on est bon, bah, on est bon, on est bon. Et puis, monsieur, bah, yuma, tu vas pas contre. Bon, t'as dit, t'as dit, la politique, bah, bon, t'as dit, t'as dit, la politique. Alors, actualité politique, la semaine, ça, c'était un aspect purement social. Alors, l'actualité politique, cette semaine, c'était d'abord la visite des évêques. Bah, évêque, bah, responsable de la CENCO, bah, Kende qui n'a. Président Kabila et puis na Etienne Tshisekedi qui va couper na bango donc on rapporte na Vital Kamerhe oui pour na koluka ko décanter situation na benga on une situation politique où ça assez tu le verras à crise non terme moi ya na délétère je sais tu bon bangoté et ça vraiment crise et situation politique ça clarté na mboka na mso ce qu'on dit aux aboyé alors les uns et les autres yo kana ki mais bon apparemment il n'est rien sorti d'intéressant à le roi nous autres. Statu quo, je continue. Alors, et puis, autre chose aussi, c'est que dans l'Assemblée nationale, les choses semblent apparemment prendre une vitesse d'un côté, une vitesse de croisière. Pour passer cette déjà un mandat, ce qu'on va communiquer côté à Nancy Rédaction et à Règlement intérieur. Alors, semaine où opposition, semaine passée, d'ailleurs, qui va taper perdre, je crois, avec une conclave. Pour n'a pas parlé de la opposition. Semaine où l'opposition, vous avez conclave. Et si le dimanche, on a peut-être tout le bas, sûrement. Après-midi et tout, à 15h bientôt, il y a surtout pour décider de la ligne à adopter, par rapport à la siéger ou pas dans la prochaine na législature. Parce qu'il y a eu aussi, voilà, peut-être le bango sur l'actualité, à moins de pas le bango, nous sommes vraiment comme ça, vous avez commenté. Dans le niveau à UDPS, vous savez que c'est le parti numéro 1, c'est quoi, selon hors de la FN, l'élection. Le parti qui a le plus grand nombre d'élus, le parti où le représentant de la présidentielle a le plus grand nombre de voix, et tout. Alors, UDPS, Bango, jeunesse à UDPS, Ligue de jeunes à UDPS, va exclure, tenir surtout, au siéger, élu à UDPS, mais au siéger, n'a pas aidé du peuple, bon, tout, va éjecter. Bon. Alors, de toute cette actualité-là, un commentaire de votre part. Bon, Liboso, on a coupé ça, évêque, merci Mingi. Merci Mingi pour Nenge Bazagosala Manson pour ba la qui s'est solo été Banganga Nzambe Bazali parmi quand même Bato Oyo Bakoki Peko Sunga Ikolo et Kende Liboso. Vous savez qu'à un certain moment, tant que l'élection Salemi, la déclaration Salemi, Naba Senko, na Cardinal Monsengo, au moins qui, qu'on finit les kaki, qu'on banalise, qu'on diffame, etc. Mais là-bas, pour une fois, tout le bas qui était, il faut comprendre que rôle l'église, et Zali, que ça, ça a été, Moke Kende Liboso. Moke Kende Liboso, ça veut dire quoi? Que tu as l'intérêt à la population. Population Azoua Elogawolia, population Azoua Moussala, population Azoua Nzela, population Akin d'Hôpital, population Azoua Maï, Azoua Électricité, et tous ces éléments-là, Église, en tant que société civile, a la responsabilité, a ça la mensuité, a la contact permanent, n'a pas eu au Kamamboka, n'a pas eu au aspirer au Kamamboka, pour être moko na moko à ce soir, et Zali Elanga ya Moutouté, Ezali langa ya biso banso pour que moko azana devoir ya kobongisa te langa na kende liboso. Et faire cela, moi je pense que nganga nzambe bazo mérite respect et considération. Et dans un pays où il n'y a pas de valeur référentielle et que nganga nzambe prêtre azana plus respecté, alors c'est un pays en dérive. Et on a constaté à un certain moment que ezala ki bongo. Dieu merci,
bango bazana ko ikampiko monete bakoki kolanda kofinga kolanda ma bilobite il faut ba continuer ko contacter ba homme politique pote Congo ezokende nesinali boulo. Et voilà, quand je les ai vus chez le président, étant donné la situation de Tozanango et sa situation de crise, hein, et Namoni Bango et pas le président Tshisekedi, etc., moi j'ai dit, ok, ça y est. Oui. Même pas Kamere. Et donc, de toute façon, souci na Bango, et Zali, Congolais a se retrouvé. Et ça souci à que Balingi Moto parce qu'il a beauté, to Balingi Moto tel parce que Aza catholique était, to Aza Moulaïto, Aza Bokilote, Balingi était. Mouka est géré dans le respect à Banor, dans le respect de Valère, dans le respect de la justice, dans le respect de la vérité. Yamoum te kopesa Litomba, Yamoum te kopesa Valère Nambouka Nabiso. Et ils se battent pour ça, et il faut plutôt les encourager. Oui, M. Mbamba, tout à l'heure, je sais, le bilo mot important, tant que vous avez une visite, il y a un évêque, et pas différentes personnalités de ce côté-là. Alors, mais on dirait, épais, c'est dans le côté. N'habitez yo en tant qu'analyste politique, la politique en Mboka Nabiso, responsabilité, il y a démarche, il y a accouché d'une souris. Donc, c'est-à-dire, et produire dans le côté, hein, la ministre, tout le bas, tout ça, la honnête, tout c'est vrai, la fasté, et produire rien. Non, moi, à cause de la Togo, comme responsable, il y a échec, il y a minute. Attention, attention, attention. Je suis spécialiste aussi des résolutions passives des conflits. Pour qu'on résoudre le problème, net crise, tout ça, là, où, le haut. Vous avez. Un président qui a prêté serment, vous avez un président qui, visiblement, qui dit qu'il est élu, et on se trouve devant des extrémités. Et donc, solution royale, net mathématique, il est implicite, intégrale à des noms. Il faut aller en direction des différentes parties, il faut y aller. Et il faut en faire la synthèse. Et il faut chercher également, sur base de cette synthèse, qu'on reprend des contacts, etc. Donc, il n'était pas question que Babé, va prêtre, Bakéi, bon, on va avoir une solution. Non, non, non. Nous sommes dans un processus, c'est une crise. Et vous savez, la crise a toujours été un amont du progrès. Mais il faut savoir poser des actes, il faut savoir poser des jalons. Et moi, je considère qu'ils sont suffisamment outillés pour que tout soit solution. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a un responsable? Non. Chacun, lorsque on entre dans un processus, il y a négociation, s'il faut appeler ainsi, etc. Chacun met, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la barre très haut. Et puis ça descend petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse construire un consensus qui permette à ce qu'on puisse décrisper la situation. Mais on ne peut pas déclarer aujourd'hui d'un échec. Le danger maintenant sur lequel c'est que de l'autre côté, présent au saigné confirmé, Cour suprême confirmée épée, à ça nommé déjà informateur, je crois que José l'a dit même temps, tout pour tous unions, soit tout ramasser, pour que moi, bon, à nommer déjà un informateur, ou à ça, vous identifiez la majorité, après, il y a un nommé Premier ministre, il y a un gouvernement en place, or, dans notre état côté, ça n'évolue pas. Il y a un expert, nous, en matière et à résolution à conflit, qu'est-ce que vous proposez pour qu'une solution soit trouvée avant qu'il ne soit trop tard? Oui, bien, Ndekoumi, situation est allée, il faut moko na moko, parce qu'on a conscience que. Aza Congolais. Et situation tout ça là où on a Congo le Oyo, et la situation est en passe. En passe, il y a plus de 90% de la population. Et que l'Afrique, continent d'Abissou, c'est un continent problématique par excellence. C'est un terrain de refuge de la pauvreté. C'est un terrain par dirigeant de la République. Générations confondues nous ont humiliés, nous ont infantilisés, clochardisés, instrumentalisés au service de puissance d'argent, au point où les dirigeants sont devenus visiblement plus dangereux que les puissances d'argent. Et que, en tout état de cause, il faut que moi, comme moi, ça a qu'on soit là, même aux héritiers. Moutou mon côté, na moukilo ya koko sala, na plantation, Congo ou quoi plantation na été. Moutou mon côté, na moukilo yo, a koko babi, Congo oyo, eze loko oyo, to mokto, to va pesanga pour été. Et donc,
Donc, nous avons tous la responsabilité de comprendre que les boyokani, il y a un litomba. Vivre le coin de paradis. Azali, parmi les dirigeants de la République, parmi les hommes politiques. Ce qui est le lobby des États-Unis, ce qui est le lobby de l'Olanda, même 50 variétés, il y a repas à Kolia. Et en plus forte raison, bateau, basan, na, massina, na, kimpanseke, na,